Ah super, ouais. Mais il est trop petit ce camion même. Il a fait un tour déjà? Il a déjà fait un tour. Aujourd'hui il se passe la journée de l'assainissement sur le site de Dahomey, donc quartier Bel Air. C'est un gros site d'intervention pour la Croix-Rouge française parce que beaucoup de monde, très peu d'assainissement, des gens qui vivent les uns sur les autres. Bonjour tout le monde, ça Bonjour. Va? Pas de latrine, des douches quasi inexistantes et puis un système de gestion de déchets qui est déplorable. Donc nous là le but c'est d'essayer de motiver tous ces gens pour améliorer leur quotidien. Tout le but a été de les sensibiliser sur cette journée et de leur montrer que nous on peut être là pour les aider à nettoyer tout leur site, s'ils aidaient, s'ils participaient. Nous on apporte le soutien humain, on les sensibilise en amont, on prépare les comités de gestion pour qu'ils travaillent aussi à sensibiliser tous les gens. Depuis 8 heures, il y a déjà eu deux tours d'un camion ben de 11 mètres cubes qui est parti. Il y a 7000 personnes qui habitent et il n'y a aucun système au quotidien de ramassage de déchets qui est installé. Ce coin là, il est vraiment très sale et il y a un petit manque de motivation par là. Il y a plein de gens qui écoutent par là la musique, d'autres qui s'activent aussi sur d'autres endroits. Mais là, c'est un peu délaissé là-bas. On cherche à motiver les gens. Aujourd'hui, ça se passe bien, ça nettoie. On peut voir qu'il y a un volume de déchets assez impressionnant. Pour ce site-là, c'est de toute évidence une grosse motivation. Et c'était pas gagné du tout parce que c'est des gens qui sont démotivés. Donc pour nous, c'était un gros challenge. Mais là, aujourd'hui, ça a pris quoi. Ça a pris, c'est bien. C'est chouette. Très content. On est content.